tout le monde, c'est Ornix, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne de la Obscure Clan. Aujourd'hui les potos, on va se retrouver avec un gameplay de Obscure Cast qui va réaliser une nucléaire express encore sur la map Nocturne 2065 armée de sa VMP. Donc félicitez-le dans l'espace des commentaires et allez vous abonner à sa chaîne YouTube qui sera bien sûr dans la description. Aujourd'hui on se retrouve pour parler tout simplement du retour de la Obscure Clan comme vous aurez pu apercevoir dans le titre de la vidéo. En effet, il y a un peu plus d'un mois, la Obscure avait sorti une vidéo annonçant la fin de la Obscure Clan car la Obscure allait fusionner avec la célèbre Neuil Rage pour avoir un espoir de la relancer. Sauf que le projet est vraiment parti en couille et le projet de relancer la rage s'est bien lancé car encore à l'heure où je vous parle, la Neuil Rage est encore active. Au départ, la rage devait être gérée par Furoxy, donc le leader et le fondateur de la Obscure, mais aussi par Rage Ghost, leader principal de la Neuil Rage. Et Furox s'est fait kick par Ghost et donc Ghost a nommé moi Deadskill qui était lui aussi ancien leader Obscure, Nextas ancien player Obscure pour devenir leader de la rage et donc remplacer Furox. Donc voilà, on a fait une vidéo de notre côté comme une chine normale, sauf que l'ambiance de la team était vraiment pas top et en plus de ça beaucoup de players sont partis et au bout du compte nous nous sommes retrouvés avec un seul player du nom de Wheezy qui est encore rage et qui était aussi membre obscur en tant que player. Et ça est donc parti le premier malgré qu'il était leader, il a tout expliqué sur sa chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai donc par la suite décidé moi aussi de la quitter, j'ai donc retrouvé contact avec Furox, je lui ai tout simplement demandé comment ça allait avec l'obscur tout ça, il m'a annoncé qu'elle allait reprendre, il ne manquait plus qu'un tout nouveau design de la chaîne YouTube, de Twitter mais aussi les logos pour les membres. Je lui ai donc demander si je pouvais revenir en tant que leader car oui j'ai été leader obscur avant de rejoindre la Neuil Rage et Furox a donc accepté. Maintenant l'obscur est de retour avec toujours une vidéo par jour, voire peut-être même deux, un tout nouveau logotype et design et bientôt une toute nouvelle introduction pour la chaîne YouTube. Nous espérons également de ne pas perdre d'activité de nos abonnés sur la chaîne et surtout nous espérons que le retour de l'obscur clan vous fera plaisir. Bon les potos, c'est la fin de cette vidéo et de cette annonce, dites dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, récompensez également le player et moi je vous dis à la prochaine et ciao bye bye, peace.